WordPress, un moteur de recherche. Dans notre pied de page, j'aimerais, au milieu, puisque c'est complètement vide, j'aimerais ajouter un petit moteur de recherche. Pour cela, on va utiliser le bloc Rechercher. C'est un bloc très simple à utiliser, donc il faut juste se positionner dans le pied de page en back-office. Donc je retourne sur mon back-office et je vais essayer de trouver le pied de page. Voilà, je suis dans mon pied de page. Alors, je retourne peut-être du menu principal hein, pour réexpliquer la démarche à avoir pour aller dans le pied de page. Je clique sur le menu Apparence, Apparence éditeur. Quand je suis dans l'éditeur, à ce moment-là, je vais cliquer sur l'espace de travail au milieu qui va me rediriger en fait sur le modèle du pied de page ou du corps de la page. Donc pour aller sur mon pied de page, je reclique dessus, je fais apparaître donc un panneau de commande ici. Il me suffit de taper footer ou pied de page, hein, peu importe, il comprendra. Et là, je me retrouve dans mon pied de page. Donc j'ai ici les petits blocs que j'avais ajoutés tout à l'heure. Et là, j'ai une colonne qui est complètement vide. Donc dans cette colonne complètement vide, je vais ajouter un bloc recherché. Recherche, pardon. Hop. Et ce bloc recherche apparaît ainsi. Je vais pouvoir taper. Donc là, on pourrait mettre un petit texte indicatif. Hein. Donc là, je vais mettre taper votre recherche. Ou plutôt taper votre recherche. Très bien. Voilà. Au niveau de la mise en forme, bah, je peux régler un petit peu la taille. Donc on va écrire plus ou moins gros. Et puis, je peux aussi régler quelques éléments sur le style. On peut changer la couleur du texte, de l'arrière-plan. Donc ce vert-là choque un petit peu. Donc du coup, je vais peut-être aller le mettre en bleu. Je vais essayer d'avoir une charte graphique qui va taper sur le bleu. Donc toutes mes mises en forme devront être un peu dans ce bleu-là pour créer une espèce d'homogénéité de présentation de mon site web. Je peux éventuellement mettre une bordure. C'est à peu près tout ce que je peux faire sur ce petit objet de recherche. Nous pouvons aussi peut-être enlever ce gros bouton recherché, puisque en fait, à l'intérieur, j'ai marqué taper votre recherche. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un T majuscule. Je vais donc cliquer sur ce bouton-là, pardon, qui va me permettre de modifier la position du bouton. Je vais dire simplement que je veux aucun bouton. Ainsi, il n'y aura pas de problème. J'ai juste tapé votre recherche. Je pense que c'est suffisamment explicite. Tout le monde va comprendre l'intérêt de cette zone de liste. Donc, j'enregistre. On va quand même vérifier si cela apparaît et si cela fonctionne bien. Donc, j'ai bien mon moteur de recherche qui apparaît en bas de la page. Et là, si je tape par exemple shirt, je préfère pas mettre t-shirt parce que j'ai peut-être mis t-shirt ou t-shirt attaché, donc j'ai juste tapé shirt, et là normalement voilà, j'ai t-shirt, t-shirt, t-shirt qui apparaît dans chacun de mes articles. On aurait peut-être pu faire une recherche juste sur le mot histoire. Je sais qu'il y a un article qui traitait de l'histoire. On valide, et là effectivement, je n'ai plus qu'un article histoire du t-shirt qui apparaît. Voilà donc pour cette petite présentation du moteur de recherche, extrêmement simple à mettre en place. Un bloc, on le place, il est présent. J'espère que cette vidéo courte vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner.